I'm gonna take it. Autre étape pour la filière, le frettage. Le diamant était consolidé par la fonte dans un cubilot. De nouvelles techniques vont révolutionner l'industrie traditionnelle de la filière. Vers 1945, des filiéristes vont mettre au point le perçage par électrolyse. Alors on va d'abord tailler la broche. Puis, dans les années 60, les ultrasons furent utilisés pour le perçage et le polissage. Une fois que la broche est taillée, on va la présenter au-dessus du plateau qui supporte la filière. Et là, l'ultrason fait son office. Vers 1970, le laser apparaît dans les ateliers. Le temps du perçage du diamant tourne alors aux environs d'une minute, alors que ce même travail, auparavant, pouvait prendre jusqu'à 15 jours. De nouvelles matières sont apparues, comme le diamant synthétique. Là où une filière en diamant de 1 mm pouvait avoir un rendement de 100 tonnes sans changer de diamètre, son équivalent en diamant synthétique va pouvoir tréfiler 3000 tonnes. Néanmoins, l'industrie qui utilise ces nouvelles technologies et ces nouveaux matériaux a conservé des gestes et des techniques héritées du savoir-faire traditionnel. C'est le cas du nettoyage de la filière qui se fait toujours avec du bois de garret. Quand la filière avait travaillé, il y avait de l'huile dedans avec de la poudre de diamant, mais surtout grasse, avec de l'huile. Alors on faisait des brochants, comme ceci, tu veux le faire? Ben, je vais regarder faire ce que je sais pas faire. Regarde, pour le fendre. Attends, craquer, parce qu'il est sec, je veux dire. J'arrondis le brochon. J'enlève l'écorce, la pure, puis je l'arrondis pour pouvoir le tourner dans la main plus facilement, parce qu'on ne peut pas le tourner comme ça. Puis c'est juste trop beau. Alors là, vous voyez, c'est des brochons qui sont faits pour faire des grosses pierres. Je n'ai pas voulu le fendre dans un plus petit. Ouais, tu vois. Puis une fois arrondi, il fallait donner 3 coups de couteau. Là, il ne coûtait pas bien pour faire la pointe, tu vois. Voilà. Parce qu'on ne peut pas le faire en 4. Ça ne va pas. Parce que... Ça ne va pas pour nettoyer, parce que ça rentre mieux dans la filière, toi. Alors, dans la filière, comme ceci, par exemple, tu vois, tu la mets dedans, hein, et tu tournais, tu nettoyais. Tu vois, regarde, tu vois la forme de la filière qu'il a. Ouais, d'accord. Alors, là, c'est un peu gros, mais dans les petites filières, le système, il est le même. Alors voilà, l'histoire de faire des brochons. Alors, quand on est apprenti, le premier jour, quand on arrive à l'usine, le patron nous fait faire des brochons. Toute la journée, on fait des brochons. C'est un beau déjeuner, mais toute la journée, on fait des brochons. Chaque geste, chaque outil, chaque machine ont été transmis, pensés, adaptés au mieux du rendement qu'ils pouvaient fournir. Tout un savoir-faire accumulé depuis des générations que les ateliers fermés conserveront comme un vague souvenir.